Bonjour à tous. Ça va? Bon, ça fait 2012 les mecs que vous entendez cette vidéo setup en France. Pour ceux qui savaient pas, je suis retourné en France là. Je suis plus au Maroc. Putain, je viens de me mettre du savon dans l'œil et du coup ça c'est un peu rouge. Je suis vraiment un zigueg, wesh. Du coup, je vais vous la faire cette vidéo setup les frères. Je vais vous montrer mon setup, Mao. Et je vais vous montrer voilà où je stream, où je fais mes vidéos en France. Ma pièce de setup, rappelez-vous, ma pièce de setup elle ressemblait à ça avant. Ici, là c'est la pièce où on va avoir mon setup. Alors, code UMS les mecs, code UMS là, je vous vois là. Je vous vois toi qui achète un skin sans avoir mis de code créateur dans la boutique là. Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu me racontes mec? Et aussi chaîne secondaire les mecs, UMS V2. Il y a une vidéo qui sort en même temps que celle-ci soit sortie les mecs, dans la description vous allez voir. Allez sur la chaîne secondaire les mecs, il y a plein de vidéos qui vont sortir pendant toutes les semaines. Regardez qui est venu. Oh là là. Regardez qui est venu. Je suis un escroc. Oh gros bistoufouche. Oh bistoufouche. Viens Mystery. Regardez comment il est posé les frères. Mystery, la table c'est interdit. Mais vu que c'est une vidéo, je te laisse aller sur la table. Je suis gentil hein. Les mecs, il a tellement grandi et grossi pendant mon absence. C'est incroyable. Mais avant tout, je mange mon petit Ambrose pomme fraise. Mais ce mec là. Quel délice. Je donne un 8,5 sur 10 les mecs, c'est incroyable. Vous savez, ça fait 2 semaines que je suis revenu en France les frères. Et j'ai bu 2 canettes de soda. Alors que d'habitude, je serais revenu, j'aurais bu peut-être, je sais pas, 6 bouteilles au moins de soda genre. Là les mecs, ça fait 2 semaines et j'ai bu que 2 canettes. J'ai bu un oasis et un fanta, je trouve que c'est hyper cool. Enfin, j'arrive à arrêter de boire du soda et je trouve ça hyper savant. Tu fais quoi toi? Tu fais quoi grosse boule de poil? Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour Mamao. Dis bonjour. T'as pas envie de dire bonjour? Oh oui. Oh d'ailleurs, oh regardez, il y a une pote à moi que je connaissais du lycée avant d'aller au Maroc, donc avant de déménager, qui a fait un tableau de Mystery les mecs. Je vais vous le montrer. Regardez les mecs, c'est tellement bien fait, je kiffe de ouf. À droite c'est la peinture et à gauche c'est la photo sur laquelle elle a peint. En gros l'exemple. Et vous avez vu comment c'est hyper stylé. Est-ce qu'il va reconnaître que c'est lui? C'est qui Mystery? Ah ouais, toi tu t'embrasses toi-même. T'es vraiment narcissique hein. T'es vraiment assez narcissique Mystery, je te croyais pas comme ça. Le cap management, vous me connaissez, c'est vraiment, mais vraiment pas mon bail. Bon déjà, on va commencer par le décor. Alors le décor, c'est ce que vous voyez tous les jours en vidéo. Ça c'est le petit arbre à chat, voilà, pour Mystery. D'ailleurs, on va essayer de faire en sorte qu'il monte dessus. Mais là, il en a rien à foutre en fait. Pourquoi tu me casses les couilles frère? Tu vois pas que je suis posé dans le Banks là? Et d'ailleurs, ramène à manger s'il te plaît. Oh, vas-y. Oh là là. Trop mimi Mystery, trop mimi. Donc après là, voilà, vous avez des petites lianes. Là, vous avez la petite étagère sur laquelle j'ai 2 claviers. Vous avez toutes les rêves des claviers, les mecs. Celui-là, c'est le Vortex Poker. Celui-là, c'est le Drop Hat. Et une petite fausse plante pour faire beau. Là, il y a un tapis que j'utilise pas. Enfin, du moins en ce moment que j'utilise pas. C'est le Zoe GSRSE. C'est un putain de bon tapis pour Fortnite, mais vas-y, je sais pas pourquoi, moi j'aime pas trop. C'est pas trop mon style. Genre, vraiment, si vous dites à un joueur pro, ouais, tu veux quel tapis, il y a beaucoup de chances qu'il vous dise celui-là. Parce que c'est l'un des tapis que les joueurs pro utilisent le plus. Mais je sais pas, j'accroche pas de ouf. Moi à la place j'utilise le G840 de chez Logitech. Et je l'ai eu en même temps d'acheter le PC. Du coup voilà, j'ai trouvé qu'il était bon, qu'il était bien. Et la souris les mecs, je l'ai reçu il y a pas longtemps. C'est Steels Gamer qui me l'a envoyé. Donc vous avez aussi le lien dans la description. Il y a un code de réduction sur le site si vous voulez. Il m'a envoyé la souris ainsi que le clavier X-Trefy. Donc c'est des putains de périphériques, je kiffe de ouf honnêtement. 5% de réduction avec le code UMS5. Donc voilà, maintenant c'est la souris que j'utilise pas mal en ce moment. Ça c'est la fameuse Logitech G Pro Galaxy. Ah après vous avez ça là. Ah d'ailleurs attends, je vais éteindre, vous allez voir comment ça fait. Ça c'est quand il y a des subs sur Twitch, j'active le petit truc. Il y a une petite tectonique qui se lance et du coup ça fait ça en même temps. Et c'est trop stylé, c'est trop lourd honnêtement. Ah oui d'ailleurs il y a des LED ici. Il y a des LED que je peux allumer comme ça. Voilà, et là après du coup tu choisis la couleur que tu veux. Wesh, j'ai fait bugger le truc. Wesh, ça a bugué. What the fuck, Mabo? Là, les mecs, c'est mes lunettes de chez Gunnar, les frères. Je suis en partenariat avec eux. Vous avez un code UMS10 dans la description. Ils m'ont envoyé plein de lunettes. Elles sont incroyables. Bref, dans la description, vous avez un lien pour acheter les lunettes Gunnar avec le code UMS10, 10% de réduction. Et honnêtement, si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, je vous les conseille. Genre, vraiment. Yeah, I'm a gamer, bro. Bro, shit on. I shit on you so hard, bro. Attention tout de suite, la blague que tous les youtubeurs qui font des vidéos setup font dans 5, 4, 3, 2, 1... Ah ça les mecs, c'est rien les mecs. Bref,
Du coup, mon micro, les mecs, c'est le Rode NT-USB classique. Je l'ai aussi acheté avec le PC. Si le mec regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Mais c'est le son de ouf. Stream Deck de chez Elgato aussi. Allez, dans la description, les mecs, vous avez les liens pour acheter les produits de Elgato. Donc, c'est classique. C'est trop, trop bien, les produits Elgato. Là, les mecs, c'est le Apex Pro TKL, donc de chez SteelSeries, avec des différentes touches que j'ai changées. Là, d'ailleurs, il y a le... Comment ça s'appelle? Le repose-poignet, que j'ai même pas mis. Parce que les mecs, nous, on est des guerriers, on repose pas notre poignet. Voilà. Ça, du coup, c'est l'écran de 140 Hz BenQ. Ça, c'est un écran normal 60 Hz que j'ai acheté vite fait sur Amazon. La fameuse manette à 200 euros, c'est celle-là. 210 euros, 210. Mais j'espère elle fait à manger pour moi. Hein. J'espère vraiment elle cuisine. Hein. 210. Wesh. Ok, du coup, elle ressemble à ça. Astro C40, je joue plus trop à Fortnite à la manette, mais j'ai quand même acheté une manette à 200 balles, je suis vraiment un de ces geeks, frère, c'est un truc de ouf. Et voilà le cap management, les mecs, le cap management de youtubeur, voilà, dealer, mamao, mamao, le cap management, mamao. Ça, c'est mon petit appareil photo, les frères, c'est le GH5, donc le Panasonic Lumix GH5, que du coup, maintenant, je vais toujours utiliser pour les vidéos, pour les streams et tout, hyper bon appareil photo. Et avec ça, les mecs, j'utilise un Cam Link qui permet de le connecter au PC, pour pouvoir streamer, etc. Parce que sinon, ça marche pas. Encore une fois, ça, c'est un produit de chez Elgato. Donc, n'hésitez pas dans la description. Et enfin, ce que vous attendez tous, le fameux PC. Bon, vas-y, c'est parti, je vais vous montrer. Ce PC, les mecs, il est incroyable. Il y a un processeur de malade, une carte graphique de malade. Il y a 64 gigas de RAM, wesh. Ouah, 64 gigas de RAM, mon frère. Avec ça, tu fais tourner tout le Maroc, wesh. Donc, encore une fois, c'est une putain d'offre que le mec, il m'a fait. Donc si tu vois cette vidéo, mec, parce que je sais qu'il sait que je fais des vidéos, mec, ce mec là c'est un mec en or, genre. Il m'a rajouté un clavier, une souris. Je vais vous montrer d'ailleurs après les autres périphériques que j'ai là dans mon placard, parce qu'il me reste encore du matos dans le placard que j'utilise pas, que je mets comme ça, que je range. Et voilà le PC, les frères. Le voici, le voilà. Il est juste magnifique. Donc bref, là on a la carte graphique de ouf. Là on a 8 barrettes de 8 Go de RAM chacune. Une carte mère MSI X299 création. La RTX 2080 Ti. Et du coup maintenant je vais vous montrer le petit placard. Ah bah il y a mes souris qui est en train de manger. Bah alors t'as mis des croquettes partout. T'as mis des croquettes partout. Et tu te barres comme si c'était pas toi, hein. Bon du coup ici les mecs j'entrepose pas mal de matos. Donc là par exemple il y a un clavier. Là il y a la boîte de la souris, des keycaps. La souris, un tapis de souris encore. Là, il y a la boîte de la manette. Ça, c'est la souris que le mec il m'a vendue. Donc, la Zowie S2 Divina, mais en noir. Ouais, j'ai la flemme de la sortir, mais voilà, elle ressemble à ça. Bah, voilà, voilà, les mecs, c'est à peu près tout pour ma vidéo setup. J'espère que ça vous a plu. Hein? Ah oui, petite webcam aussi que j'ai ici. Ça, c'est pour montrer mon clavier en stream ou en vidéo. C'est la C922. Voilà, Logitech C922. On va s'abonner, les mecs, à la chaîne secondaire UMS V2 qui est dans la description, les frères. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne. Vous mettez le petit pouce bleu, la petite cloche de notification. Voilà.